extraordinaire, c'est énorme. Salut, c'est Raymond. Raymond Domenech. Je voulais juste dire à Frédéric Lopez que j'aime beaucoup Rendez-vous en Terre Inconnue, parce que une célébrité qui traverse le désert, c'est un peu une histoire. D'ailleurs, avec la Coupe du Monde au Brésil, l'équipe de France va aussi s'inspirer de votre émission. Sauf qu'au lieu que ce soit des gens civilisés qui vont chez les sauvages, là, la France enverra ses sauvages chez des gens civilisés. Voilà. Bonne journée. Ouais, c'est ça, bonne journée. Ok, gros, c'est Booba, Bedezoba. Gros, c'est pour qui? Ouais, c'est pour toi, j'en ai. D'accord, j'avais bien compris, oui. Non, Allô, Lopez, tu crois que t'as inventé un truc avec ta parenthèse là? Passer 24 ans enfermé avec des queues que tu connais pas, ça existe déjà, frérot. Ça s'appelle la garde à vue. Je peux te dire qu'en matière d'inattendu, un clodo qui te vomit sur les Nike ou un commissaire qui te fout un coup d'annuaire, c'est autre chose qu'Audrey Fleurot qui se pète un ongle en faisant une quiche. Ou Michel Fugain qui raconte son premier concert en 1924. Vas-y, Pépèze, je te laisse, y'a une fouille, je veux pas qu'il trouve mon portable. Pépèze, ouais. Bonjour, vous avez compris que c'était Pépèze? Oui, hein, oui, tout à fait, tout à fait. C'est Stéphane Plaza. Alors, Frédéric, si un jour tu m'invites dans une de tes émissions, ah, je dis pas non, mais je préfère nettement la parenthèse inattendue à Rendez-vous en Terre Inconnue. Ah bah attends, la maison de la parenthèse, quand je l'aurai visitée, je pourrais l'évaluer et t'en proposer un bon prix, net vendeur. Ouais. Hein. Par contre, je vois pas du tout ce que je pourrais bien faire, des huttes en roseau, des mantawai ou des tipis en peau de zébule et des angatom. Ah bah je suis un genre immobilier, moi pas bon content, nom de Dieu. Oui, bonjour mon cher Jean-Marc, cher Julie, cher Frédéric Lopez, ici Nelson Montfort. Alors, sachez Frédéric que je suis un fervent admirateur de vos émissions, qui permettent de découvrir en profondeur des pays, mais aussi des personnalités. N'est-ce pas mon cher Philippe Candeloro? Ah, t'as raison Nelson. Audrey Fleurot, je la découvrirais bien en profondeur. Hein. Attends, à peine arrivé dans la baraque, je la déglinguerais vite fait la routine. Hein. Ouais, cher mon cher Philippe, Rendez-vous à Terre Inconnue, c'est aussi l'occasion de passer un moment privilégié en compagnie de Frédéric Lopez. De toute façon, t'inquiète pas, hein, s'il y a que ça à se mettre sous la dent, je déglingue aussi le Lopez. Hein. C'est chic. Ouais, merci mon cher Philippe. Mais il est sans doute plus sage que nous nous cantonnions au jeu de Sochi. Je pense aussi. Merci Marc-Antoine Lebray en spectacle tous les vendredis, samedi à 19h au Théâtre Beau à Paris. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.